Bonjour à tous, on se retrouve pour la fin de ma 9e saison. La dernière fois, je signais du côté de Liverpool et la première partie s'était bien passée puisque nous étions en course pour le titre de Premier League et qualifiés pour les 8e de finale de Champions League. J'ai même été nommé dans les potentiels vainqueurs du Ballon d'Or, mais à l'arrivée, je ne suis pas nommé. Je vous avais également évoqué ma nouvelle relation amoureuse avec une influenceuse italienne. Enfin bref, place désormais à la fin de saison et on débute avec une grosse rencontre de Premier League. Match nul pour la reprise du championnat, mais par la suite, les succès précieux vont s'enchaîner. À 10 journées de la fin, Liverpool est 3ème et peut donc encore croire au sacre, mais avant ça, petit point sur la FA Cup, le club va se hisser en finale après avoir bien négocié les quarts contre Watford et la demi contre Luton. Avec ce succès, Liverpool aura la possibilité de décrocher un trophée en fin de saison, mais on peut viser même le doublé Coupe Championnat, mais ça passera par de bons résultats contre les grosses équipes. À 4 journées de la fin, un point seulement nous sépare de la tête, mais avant de se lancer dans le sprint final, nous allons jeter un petit coup d'œil du côté de la Coupe d'Europe avec les 8e de finale contre mon ancien club, la Juve. Ça passe pour le tour suivant, et en quart de finale, c'est l'équipe espagnole de Séville qui va tenter de nous faire barrage.
Liverpool se hisse dans le dernier carré de la compétition, mais pour décrocher son ticket pour la finale, nous allons devoir faire face à l'armada parisienne. Mama, I just killed a man. He's done it. What a climax. Put a gun against his head. Pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. Now I've gone and thrown it all away. Mama. Didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. L'aventure se termine aux portes de la finale suite à la débâcle subie à l'aller. Beau parcours cette année, mais le trophée m'échappe encore. On va donc devoir tout miser sur les trophées nationaux, mais la rencontre face à Arsenal va refroidir nos ambitions. Défaite logique plus exclusion stupide, le titre s'éloigne, mais il faut encore y croire. Au match suivant, mes coéquipiers vont remplir le job, nous permettant de recoller à 2 points d'Arsenal à 2 journées de la fin. Allez, tout est encore possible. Toujours 2 points de retard et il ne reste qu'un seul match de championnat pourvu qu'Arsenal fasse un faux pas. Liverpool décroche le sacre sur le fil, Arsenal aura donc échoué sur la dernière rencontre de championnat, pour notre plus grand bonheur évidemment. Un an après avoir décroché le trophée du côté des Gunners, je fais le back-to-back, mais cette fois-ci du côté des Reds, de quoi faire regretter la décision des dirigeants d'Arsenal. Je suis en plus de ça nommé meilleur buteur, et je bats mon propre record de buts sur une saison de Première Ligue, et bien évidemment, je suis également meilleur joueur de la saison. Place désormais à la finale de la FA Cup avec l'objectif précis, décrocher le doublé. Match très difficile, mais victoire obtenue en prolongation. Liverpool termine donc la saison en beauté. Quelle belle année pour nous, pleine de consécration. J'espère que l'épisode vous a plu. Il s'arrête là. À la prochaine.